Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilial Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Plus de détails sur le titre du jour après le générique. Merci. Le chef de l'État a annoncé récemment sa volonté de voir le PDCI réintégrer le RHDP. Il a confié au Premier ministre, Patrick Hachi, la lourde tâche de convaincre son ancien parti. Les réactions ont été fortes du côté PDCI et la tendance est à un refus de faire machine en arrière. Les raisons sont multiples, cependant cinq raisons principales se dégagent du refus catégorique du PDCI. Première raison, le refus de voir la disparition du PDCI au profit du RHDP. En effet, la charte, pour faire partir du RHDP, exige que les membres renoncent à leur parti d'origine. Le président Bédier ne partage pas cet avis, le PDCI-RDA est l'héritage que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, l'a légué. En aucun cas, le PDCI doit disparaître au vu de l'importance historique du parti septuagénaire. Deuxième raison, la domination du RDR au sein du RHDP. Le PDCI, lors de la cohabitation avec le RDR au sein du RHDP, a vu ses opinions ne pas peser, comme il espérait au moment de la prise de décision. Le désaccord avec le RDR lors des élections municipales de 2013 et les législatives de 2016 pour les candidatures communes avait déjà fragilisé l'équilibre au sein de la coalition. Troisième raison, l'alliance avec Laurent Gbagbo. Malgré l'absence de l'ex-président, la coalition PDCI-ED a obtenu des résultats honorables lors des élections législatives. Conan Bédier et Laurent Gbagbo veulent continuer ensemble à agir pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le retour de Laurent Gbagbo devrait permettre la réunification du FPI et renforcer l'opposition. Quatrième raison, l'ambition de reconquérir le pouvoir en 2025. Le coup d'État de 1999 a mis fin au règne du PDCI à la tête de la Côte d'Ivoire. Plus de 20 ans après, le PDCI garde intactes ses ambitions présidentielles. L'objectif pour le parti est d'être présent sur le terrain et de continuer à mobiliser ses militants. Cinquième raison, le PDCI veut prouver au RHDP qu'il existe toujours malgré les nombreux cadres qui sont restés au sein du RHDP. Le PDCI s'est retrouvé au bord du gouffre avec les départs de nombreux cadres qui ont rejoint le RHDP. Malgré ses coups durs, le parti s'est adapté au départ de ses cadres. Le PDCI s'est attelé à stopper l'hémorragie en confiant plus de responsabilités aux cadres restants. Aujourd'hui, le parti n'a plus connu de défections importantes et arrive à enregistrer l'arrivée de nouveaux cadres.